Stéphanie qui nous dit: j'ai découvert que mon mari avait une maîtresse, mais bizarrement, ça a remis un peu de piment dans notre couple. J'ai l'impression d'être folle. L'adultère peut-il être un moyen de rallumer la flamme? Ah, alors ça, on va faire une émission entière là-dessus. Oui. Non, mais c'est vrai. Hein. Vraiment, c'est un cas très différent. Pour retrouver mon couple. C'est vrai, c'est un... Et puis, c'est un cas très différent. C'est-à-dire qu'en effet, là, on est dans une situation de couple où on est un peu dans la routine, etc. Et le fait de s'extraire du couple, de se réapproprier son corps, de revivre le désir, de se ressentir un petit peu unique sur un espace-temps court, bah évidemment que ça peut avoir quelque chose du positif à partir du moment où on referme quand même la parenthèse assez rapidement. Et s'il n'y a pas de sentiments avec, avec la maîtresse? Oui. Dans mon travail, je vois tous les jours des sentiments fulgurants qui apparaissent aussi vite qu'ils disparaissent. Hein, la force du lien, c'est gros comme un bout de bateau composé de tous ces jours, de tous ces petits fils, de tous ces jours qui ont passé. C'est pour ça qu'on voit aussi des hommes mariés qui retournent avec leur légitime parfois, parce que la force du lien est quand même forte. En revanche, le vivant est important, et quand on sent qu'on n'est plus dans le vivant avec sa légitime, idéalement, il faut plutôt essayer de se cogner la réalité avec sa femme légitime en se disant: qu'est-ce qu'on peut faire pour repimenter notre couple? Et parfois, c'est à l'extérieur qu'on va le retrouver, mais c'est mieux de le garder quand même, de venir le ramener ensuite.